Et bro, le militaire Lavara d'Abujarabi, chéri de champion Côte d'Ivoire. Voilà ça. Si il veut me mélanger, moi je le dépêche. Mon chemin, j'ai bon l'osa. Quand je suis mon chemin, je bloque ça. Quand on a mon chemin, tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à dire et je serai là. Lady, tout n'attend que ça. Tu n'as qu'à dire et je serai là. Ça dépend de toi, ça dépend de toi, maman. Yeah. Ça dépend de toi, ah, ah. Ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça dépend de toi. Yeah. Yo, famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre même Cévité Rito, toujours présent. Voilà, on continue à faire des vidéos et je pense que c'est agréable. C'est vraiment agréable. J'espère aussi que vous avez aimé mon petit freestyle de Mister Lexto, ça dépend de toi, tout à l'heure. Voilà. Franchement, merci pour tout le soutien. Merci, merci énormément. Merci. Franchement, merci. Le lien en description de la vidéo, continuez à regarder. Continuez à regarder le clip, partagez. Parce qu'il est en train de faire un freestyle acoustique. Il est en train de faire un gros freestyle acoustique de ce son que vous avez beaucoup aimé là. Donc continuez à l'encourager, augmentez ses abonnés, partagez sa chaîne, partagez sa vidéo, partagez son clip. Voilà, on remercie, merci énormément. Cependant, dans cette vidéo, sachez qu'on va parler de trois choses. Non, je dirais, oui, trois choses. Une histoire de Safari Le Biang, de Bordeaux Likoufa. Une histoire du dernier opus de DJ Kerozone, Nangpo. Et une info smart. Quand je parle de smart, je parle d'une info smartphone avec Samsung. Voilà, c'est très important. Mais bien avant, le menteur, excusez-moi, j'ai failli dire le menteur. C'est pas un menteur, c'est un gars qui dit beaucoup de vérité. Il était très occupé ces derniers temps, c'est pourquoi vous ne le voyez pas chez ma chaîne. Il est de retour et il revient en force. Et il nous remet la source de cette blague-là, à sa manière. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage et puis on revient tout à l'heure, les amis. Yo, bonjour la famille, vous allez bien, j'espère. Avec 10 ans, hein, on dit quoi? Je vais vous raconter une petite histoire qui est vécue la semaine dernière là. J'étais au plateau, je suis allé dans un restaurant. Moi, je commande mon plat tranquillement. Je suis en train de manger. Il y a un gars qui rentre dans le restaurant, lui n'est pas trop en forme. Donc il appelle l'attentif. Ah la vérité, mais il n'est pas en forme, hein. Par exemple, il faut faire un plat de 600 et manger. Et puis au comptoir, il y a un monsieur qui était assis de l'autre côté. La beauté veste. Bien quoi. Donc regarde le jeune dit. Jeune homme. En comment? C'est 600 francs que tu vas manger? Non, prends un plat de 1000 francs. Regarde, hein. Ok, attendu. Fais-moi un plat de 1000 francs. On lui sert le plat de 1000 francs. Il commence à manger. Il mange au. Le gars lui dit, mais Joe, tu prends rien? Mais prends toi une bière. Il dit, attendu. Donne-moi une bière. Le gars commence à boire la bière, il a fini la bière, la première bouteille. Le gars dit, mais tu prends une deuxième bouteille, ça fait quoi? Là, on a dit, donne-moi une deuxième bouteille. On lui donne la deuxième bouteille, il finit de boire, il a mangé, il est bien rassasié. Donc maintenant, il va se lever, il va partir vers son bienfaiteur. Il va partir lui dire merci pour le plat. Il se lève, il passe derrière le comptoir. De l'autre côté, il lui dit merci au gars. Il regarde, le gars, il a porté veste en haut. Mais en bas, il n'a rien porté. Il n'y a pas de caleçon en bas, il n'y a rien. Tchao, le gars là, c'est un fou. Donc le gars le regarde, il dit, toi, parce que moi, t'es beauté aujourd'hui là. Moi, il m'en va où? Ok, famille, donc c'était ça, on est ensemble. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que vous avez apprécié sa blague. J'espère vraiment que vous avez apprécié sa blague. Il m'a dit que c'était la semaine passée au plateau qu'il a vécu cette scène-là. Si moi, il dit la vérité, moi, je ne sais pas. Voilà, donc si vous avez aimé sa blague, partagez la vidéo. Et si c'est la première fois aussi que tu le découvres sur ma chaîne, abonne-toi parce qu'il fera beaucoup de vidéos ces jours à venir. Voilà, ceci étant, je vais commencer avec Samsung. Oui, Samsung. En fait, vous savez, 2018 n'a pas été trop rose pour la marque des téléphones Samsung. Oui, franchement, c'était chaud. Depuis l'avènement du iPhone X, Samsung a vu son chiffre d'affaires régresser de 4%.
4%. Voilà, au niveau mondial. Donc, c'était pas vraiment dans les habitudes de Samsung parce qu'ils ont été toujours premiers à vendre beaucoup de téléphones. Mais cette année-là, franchement, quand iPhone a lancé son iPhone X, c'est-à-dire le iPhone 10, et que Huawei est venu avec son Mate 20 et son Mate, quand franchement, Samsung s'est vraiment pas retrouvé. Donc, ils n'ont pas été trop roses, comme je vous l'ai dit, l'année 2018. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le mal en patience et ils ont étudié encore. Voilà, parce que le challenge de Samsung, c'est de lever le mythe des smartphones iPhone. Voilà, donc ils sont venus comme ça, avec un nouveau smartphone pliable, à écran pliable. Donc, imaginez un peu le smartphone, il est vraiment révolutionnaire. C'est le premier opérateur de téléphone, de marque de téléphone, qui apporte cette innovation-là. Écran pliable, voilà. Écoutez bien ce que je dis, hein. On voit souvent des spécimens sur YouTube, mais qui ne sont pas encore en vente. Mais je vous dis, Samsung, le premier, je dis bien le premier, à, on va dire, s'exprimer, voilà, à se montrer sur ce plan, voilà, révolutionnaire concernant les smartphones. Donc, ils viennent avec le Samsung Fold. Voilà, un Samsung qui va vraiment coûter énormément cher. Imaginez que je vous dis, ce Samsung est vendu à près de 2 000 $ aux États-Unis. Aux États-Unis, la pièce. Voilà, c'est-à-dire le prix exact, c'est-à-dire si tu aimerais bien t'atterrir sur smartphone à partir du 26 avril, que tu es aux États-Unis, il va falloir débourser la modique somme de 1 980 $. C'est pas rien. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas rien. Voilà, donc, dit que les adeptes d'iPhone, peut-être vous serez découragés avec le dernier bébé de Samsung parce que c'est 6 caméras, 2 batteries, s'il vous plaît. 6 caméras, 2 batteries et 1 980 $ pour l'acquérir. Voilà. En tout cas, Samsung est prêt en cette année 2019 à en décote avec Huawei, en décote avec son rival de tous les temps, Apple. Voilà. Donc, j'espère que cette première info vous a plu. On continue. Cependant, là, on va parler de Bordeaux et Safari Le Bien. Beaucoup se demandent de quoi je vais parler dans cette vidéo-là. Voilà, concernant cette info-là. En fait, moi, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que De Bordeaux est le monsieur des records sur YouTube en matière de vues, en matière de mise en ligne de clips ou d'audio en ligne. Il le recommande, ça, il n'y a pas à discuter. Voilà, je ne vais pas faire de jaloux, mais c'est ce qui est. En fait, De Bordeaux détenait le record du plus grand nombre de vues sur une vidéo en un jour, qui était de 221 000 vues en un jour avec à Gaza. On était tous contents, on dormait sur nos lauriers, on était très heureux. Mais malheureusement, pour De Bordeaux Likoufa, pas plus tard qu'avant-hier, c'est-à-dire le 23, à 10h, Safari Le Bien nous envoie son clip Woyo. Franchement, un clip était vraiment, vraiment, vraiment très, très attendu. Vraiment très attendu. Et on va dire, pas extraordinaire, boum! Son clip a fait un gros boom, sans vous mentir, il a fait un énorme boom à sa sortie, avec plus de 39 000 vues en une heure. 39 000 vues en une heure, je vous le dis. J'étais là quand il mettait sa vidéo en ligne parce que j'ai reçu la notification. Et au bout de un jour pour jour, c'est-à-dire 10h23, 10h24, Safari nous comptabilisait 265 000 vues en un jour. Du jamais vu. Du jamais vu. Et je pense que, avec cette nouvelle chaîne-là, puisqu'il met plus ses chaînes sur Ivoire TV Musique et consorts, je pense que avec cette vidéo-là, avec ce clip-là, ça va atteindre rapidement son million de vues. Franchement, plus de 265 000 vues en un jour, ça c'était déjà même vu. Et là, j'ai eu un pincement au cœur parce qu'on venait de dépasser des Bordeaux Likoufa. Oui, c'est ça l'info. Pour ceux qui ont suivi avec moi la progression du nombre de vues du dernier clip de Safari Le Bien, vous me dire effectivement que j'ai raison en commentaire. Ceux qui disent que j'ai pas raison en commentaire, ne vous gênez pas de me dire pourquoi. En tout cas, c'est ce que je sais. Safari Le Bien détient actuellement le nombre de vues sur un clip en un jour qui est de plus de 265 000 vues en un jour, 24 heures sur 24. Voilà. Je vous ai dit, il a établi ça en 24 heures. C'est pas du jeu. Franchement, il a félicité. Donc, big up à Safari Le Bien et bon retour à De Bordeaux Likoufa. Cependant, petite réaction sur le dernier opus de Kérosène DJ Nanko. Oui, Nanko. Bien avant d'aller plus loin dans ma critique, et dans cet avis personnel, je dirais, je le pense, il est très personnel, il n'est pas universel. Il faut dire que la structuration musicale, elle est parfaite. Trezone a très bien chanté. Mr. Leo lui aussi a très bien chanté. Mais ce qui marche, que vous savez, c'est quoi? C'est que Kérosène, on le connaît.
On sait que c'est un monsieur à vue. Actuellement, c'est lui qui détient le nombre de vues sur une vidéo, on va dire, ces deux dernières années. Voilà, on sait que le chef, c'est Serge Benoît en matière de vues, mais on parle de ces deux dernières années, depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Kérosène est au carburant. Tous ces hits qu'il a fait sortir, franchement, ont progressé très rapidement. Mais j'étais choqué de voir qu'en un jour, Kérosène nous a pas fait même 30 000 vues. En un jour, Nanko nous a fait 29 000 vues, c'est-à-dire plus de 29 000 vues. Et ça, c'était... J'ai rien compris. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Vous savez, moi, je sais pas. C'est comme je dis, c'est un avis personnel. Je sais pas si c'est le featuring avec Mister Leo qui l'a obligé à chanter sur ce genre de mélodie. Mais Kérosène, hein, pour un mec qui te situe comme moi, qui t'encourage quand c'est bon, je veux te dire que ce style-là, c'est pas pour toi. Honnêtement, tu as chanté sur le rythme où Mister Leo s'exprime le mieux, où il se sent le plus à l'aise. Voilà pourquoi le charisme que tu as dans tes sons d'habitude, là, on n'a pas senti ça dans ce son. Tu as chanté juste, tu as une très belle voix. Mais tu devais innover avec autre chose, ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas bien grave. Comme je sais que tu as beaucoup de fans qui t'admirent beaucoup, les vues vont progressivement augmenter. Mais franchement, moi, j'ai été choqué parce que moi, je trouve que ça, ce n'est pas ton registre. Voilà. Et profite de donner un petit conseil. Pour ceux qui ne savent pas, Kérosène DJ est un très très grand animateur. Quand je parle d'animateur, vous voyez un peu les animations des Bordeaux Likoufa dans ses chansons, de DJ Léo, de DJ Arafat. En tout cas, c'est un très grand animateur. C'est vrai qu'il s'est mis dans un registre du Zouglou décalé, qui lui va très bien, qui lui réussit très bien. Mais moi, j'aimerais bien que Kérosène nous vienne avec un son animation. Oui, laisse le registre, le temps, mon heure a sonné, victoire, Marie-Jo, laisse ça. Viens avec un nouveau son rythmique, c'est-à-dire quand tu étais dans les cabines de DJ, de toute façon tu étais dangereux dans l'animation, on a besoin de voir ça sur un son, mais avec un concept pour surprendre plus tes fans, pour surprendre plus les vélomans. Ça c'est un conseil personnel, j'espère que tu vas l'écouter parce que là-bas tu vas mieux nous épater. Le Zouglou décalé tu le maîtrises mieux, ça c'est ton registre, il n'y a rien à dire. Mais avec Nanko, featuring Mister Leo, franchement je t'ai pas senti. Voilà, la critique reste vraiment mitigée. Voilà, donc c'était un peu ça la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, partagez la vidéo. Et pour ceux qui viennent de me reconnaître, pour ne pas dire de me suivre pour la première fois, abonnez-vous. C'est Héritor, on est ensemble. Rendez-vous à 18h.